l'accouchement. Et ceci est marqué par nos habitudes de consommation sur la Bretagne, la part belle au Bordeaux. Évidemment, c'est le socle. Ce sont nos best-sellers, faut le reconnaître. Pourtant, une surprise, chaque année maintenant depuis 2-3 ans, avec la plus belle réussite commerciale, si je dois utiliser ce mot, c'est un crémant d'Alsace. Donc sans doute parce que c'est un parfait compromis entre la qualité et le prix, qui contrecarre l'augmentation assez importante ces 3-4 dernières années de nos champagnes préférées. Et je dirais, pas un flop, mais un segment de vin qui émerge et mais qui peine à trouver pour l'instant ses consommateurs. Les vins nature, qui sont pourtant dans l'air du temps, puisqu'ils sont le reflet exact de ce que produit la nature, puisque ce sont des vins bio, sans intrants, sont vraiment des vins extrêmement typiques, qui en font des vins qui sont assez déroutants, mais que je dirais peut-être être les vins qui sont l'expression même de la viticulture française et de leur terroir. Donc ce sont évidemment des vins à découvrir. Tentez l'expérience. Ils ne sont pas chers pour l'instant parce qu'effectivement, ils ne sont pas très diffusés. C'est une occasion de les découvrir sans prendre de risques.